Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Bon, on a tendance à penser que le Japon est un pays riche. La vie coûte cher, les transports coûtent cher, les fruits coûtent cher, le kobe-gyu coûte cher, les hommes doivent inviter les femmes au resto chaque fois, moi je les invite jamais. Voilà, tout est cher. En tout cas, on pense qu'on se ruine tout de suite quand on voyage au Japon. Mais non! Alors aujourd'hui, je te parle des trucs qui sont moins chers au Japon et des astuces pour vivre au Japon avec un petit budget. C'est parti! Acheter des appareils électroménagers au Japon. Bon, peut-être que certains d'entre vous le savent. Au Japon, beaucoup de produits genre Apple, le iPhone, les ordinateurs, les caméras, ils sont moins chers par rapport à la France. Et comme t'es sûrement pas japonais, tu peux les acheter sans taxe au Japon. Il suffit de montrer ton passeport au vendeur. Déjà 1 euro, c'est environ 125 yens. Du coup, regarde par exemple le prix d'un MacBook Pro sur l'Apple Store français et l'Apple Store japonais. Même si c'est exactement le même produit, tu peux acheter un MacBook Pro, c'est 400 euros moins cher au Japon. C'est énorme! Qui a dit que le Japon est un pays riche? Et regarde ça. Moi, je suis sûr d'acheter des caméras au Japon. Du coup, avant de les acheter, je les teste souvent dans les magasins en France. Genre à la Fnac, Darty et tout. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Bonjour, je regarde juste des caméras. Ah, d'accord. Ah, peut-être que ce mec les regarde juste dans le magasin. Et il les achètera sûrement en ligne en comparant les prix. Vous savez, monsieur, en ce moment, c'est en solde avec votre carte de fidélité. C'est 10% moins cher. Et techniquement, ce sera aussi le même prix sur Internet. Ok. Je vais peut-être l'acheter au Japon. Bah excuse-moi monsieur, mais je sais pas si vous savez, mais au Japon tout est cher hein. Bah non, t'es le pire conseiller. Des produits où il y a des additifs. Au Japon, c'est un grand pays d'additifs. Vraiment, énormément des produits alimentaires contiennent des additifs. Je dis pas que tous les additifs sont mauvais pour la santé. Il y a des additifs, bien sûr, sans risque aussi. Mais le souci, c'est qu'il y a même pas mal de produits japonais qui contiennent des additifs qui sont interdits en France. Du coup, on peut même dire que plus il y a des additifs, moins c'est cher. Et c'est pour ça qu'au combini et au supermarché, il y a des bento et des pâtisseries industrielles qui contiennent pas mal d'additifs et qui sont moins chers par rapport aux faits maison dans les bouchons et boulangerie au Japon. Alors maintenant, je te présente quelques produits alimentaires moins chers que j'ai trouvé au Japon. Ça, je te présente un petit saucisson japonais à 8 centimes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Environ 15 additifs. Voilà, c'est un saucisson de taille japonaise. C'est marrant, si je fais une blague raciste envers les Asiates, personne ne se plaint. Hein. Du coup, je vais écouter ça. Hein. Nani? C'est exquis. Non, je rigole, c'est dégueulasse. Allez, deuxième produit. C'est le fromage japonais. Ouais. Il est à 8 centimes. Bon, il y a plein de sortes de fromages au Japon, mais j'ai trouvé le pire fromage au supermarché. Ne pense pas que tous les fromages japonais sont comme ça, hein. Il y a 11 additifs. Ta-ta-ta-ta! Ouais, c'est beau ce fromage. Ça sent pas bon, hein. C'est du fromage, quoi. Quoi là? Nanda? Putain, c'est dégueulasse. Bon, je vais finir de le manger. Hein. Bon, attends, j'en ai acheté combien déjà? Bon, maintenant, j'ai de la viande et du fromage. En hiver, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Une raclette. Attends, je vais juste... Ça pue.
全然溶けねえこれ。なんか、なんか、は？パンみたいな。くせえし、なんかやべえ。焼きんくせえ。全然溶けねえんだけど。あー、くせえし。じゃ火力ディス、やばくね？Putain, ça grille le fromage. Je comprends pas. Tadam! Raclette japonaise. Je vais les donner à mes potes français. Ne pas manger sur place. Tu sais qu'au Japon, si tu manges au resto sur place, tu dois payer 10% de taxes. Mais si tu commandes à emporter, ce n'est que 8% de taxes. Si tu prends un café à 100 yens sur place, tu dois payer 110 yens. Et si c'est à emporter, c'est 108 yens. Du coup, pour éviter 2% de taxes, même au café, les Japonais commandent plutôt à emporter que sur place. Voilà, je t'apprends un truc, hein. Mais on se demande un truc. Si tu commandes un truc à emporter au McDo, par exemple, mais tu manges quand même sur place en cachette, peut-être que personne ne se rendra compte. Voilà, vous êtes bien des Français, hein. Moi aussi, j'ai pensé la même chose que vous tout de suite. Terada, moi aussi. Oui, le problème, c'est qu'il y a quand même certains Japonais qui pratiquent cette méthode pour éviter les 2% de taxes. Du coup, au Japon, quand j'ai pris un café ou un hamburger emporté, on m'a vraiment répété deux fois. Irashaimase. Tenabe de shouka. Soitomo mochikari de shouka. Ya no mochikari de onegashimasu. Hai, kashikomarimashita. Hai, chodo asukari shimasu. Kochira ushinamono de gozaimasu. Azas. Ano. 店内ではくれぐれも召し上がらないでくださいね。Les cigarettes sont moins chères au Japon. Déjà, je te conseille pas forcément de fumer des cigarettes. Et c'est pas bon pour la santé, hein. Mais vraiment, au Japon, les cigarettes sont pas du tout chères. Alors que dans les restaurants, c'est interdit de fumer à l'intérieur. Beaucoup de salariés japonais n'arrêtent pas de fumer et se rendent dans des camis pour fumeurs. Ça, c'est ce que j'ai acheté au Japon il y a longtemps. Normalement, un paquet de cigarettes, c'est entre 3€ et 4€. Je crois que c'était 4€ celui-ci. C'était le plus cher. Alors qu'en France, c'est entre 10 et 11 balles. Avant que je ne parte en France, je fumais des cigarettes au Japon. Oui, j'avoue. Parce que c'était pas cher, tout simplement. Et quand je suis venu pour la première fois dans un tabac en France, putain, c'est pas vrai, c'est cher. Et sur le paquet, il y a même pas des images de poumons glauques. Putain, les étudiants français, ils n'ont pas les moyens de manger autre chose que des pâtes, mais ils fument comme ils respirent. Putain, vous êtes tous riches ou quoi? Bien sûr, les étudiants français fument plutôt les cigarettes roulées, mais ça coûte quand même deux fois plus cher qu'au Japon. C'est pour ça que j'ai arrêté de fumer. 100 yens shop. Au Japon, il y a des 100 yens shop. C'est là où on peut acheter des trucs à 80 centimes ou quoi. Un balai, une petite chaise, une poubelle, des trucs comme ça. C'est pratique, mais c'est pas drôle à raconter. Le tofu n'est pas cher au Japon. Au Japon, le tofu n'est pas aussi cher qu'en France. 400 grammes de tofu coûtent même pas 50 centimes ou quoi. Alors qu'en France, c'est 10 fois plus cher. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que j'aime bien le tofu. Et ça m'énerve. Distributeur de boissons. Au Japon, c'est 1€. En France, c'est 2€. Et à l'aéroport et au cinéma en France, c'est 15 000€. Les mangas. Si tu achètes des mangas au Japon, c'est pas du tout cher. Au Japon, il y a le Shonen Jump, qui publie des mangas comme One Piece, Hero Academia, tout ça. Et ça coûte 260 yens. C'est à peu près 2,20€. Ça sort chaque lundi matin au Japon. Il y a environ 400 pages. Avec ces pages-là, il est pas du tout cher. Même les mangas édités en solo, ça coûte 4€. Alors qu'en France, c'est 7€. Mais le truc étonnant, c'est pas ça. Comme il est pas du tout cher, vraiment presque tous les Japonais le jettent à la poubelle dès qu'ils finissent de le lire. Il y a que les étrangers, les Français, les collectionneurs qui le gardent. Bah oui, car il sort tous les lundis matin. Si on le garde à la maison, ça prend énormément de place, quoi. Du coup, pas les mangas édités en solo, mais ce genre de mangas regroupés dans les mangas. Ils sont jetés à la poubelle, eux-mêmes laissés sur la banquette du train. Comme ça, les autres les récupèrent et les lisent. Oh, excusez-moi. Oh, je suis bête, je suis désolé. Vous êtes peut-être pas capable de lire les mangas en japonais. Oh, je suis bête. Oh, 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 oh. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Bon, voilà, ce sont des trucs moins chers au Japon. Et tu vas peut-être profiter de ces astuces lors de ton prochain voyage au Japon. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut. あげる。これ？あ、あげる。うん。全部食べていいよ。全部食べていいよ。うん。これ何？美味しい。なんかチーズ味みたい。Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, je donne tout alors. これなんかフランス味みたい。